Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, tu sais, j'ai fait une précédente vidéo où je te parlais de comment j'ai trouvé la bonne affaire concernant mon dernier immeuble de rapport ici à Montréal pour un projet éventuel d'achat-revente. Et comme je te l'ai promis, nous allons faire la visite d'un des logements. Donc là, tu peux voir que c'est quand même un quartier assez résidentiel. Ici, c'est un... quasiment un 65 mètres carrés. Donc il y a trois chambres, une place de stationnement juste là devant, ah. Une place de stationnement, trois chambres, une cour arrière. Donc je vais te faire visiter. Tu as la cuisine, tu as la cuisine qui est assez spacieuse. Là tu as la cour également. Là, tu as la cour où on peut mettre une piscine, un espace barbecue. Donc, voilà. C'est assez spacieux. Donc, je vais également te montrer les autres pièces. Donc là, tu as la première chambre. Première chambre qui fait à peu près, je dirais, 15 mètres carrés à peu près. Première chambre. Tu as également la salle de bain. Ça a été offert à notre frère récemment. Ici, tu as deuxième chambre avec une fenêtre, chauffage électrique à la charge du locataire, espace de rangement. Et là, tu as la troisième chambre. Donc, elle est de taille moyenne. Également, fenêtre, chauffage électrique, espace de rangement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à cet appartement? Donc là actuellement, il y a quatre logements. Donc il y a un appartement similaire qui est juste en haut, qui est actuellement loué par une personne qui habite là depuis une dizaine d'années. Il y a cet appartement-là donc qui est vide. Juste en dessous, il y a le garage qui a été aménagé en studio avec une salle de bain. Et juste en bas à gauche, il y a un T2, donc un appartement avec une chambre qui est actuellement louée par un couple d'infirmiers. Donc voilà, actuellement là je suis à la recherche d'un locataire, donc je suis venu faire les visites. Donc voilà, là par rapport au projet que j'ai de cet immeuble, c'est que je vais chercher à augmenter les revenus. Présentement les revenus, enfin j'en tire une rentabilité de près de 10% et je compte faire louer à une famille. Donc, des personnes qui vont rester là de manière durable, on va dire. Donc, une famille, vu qu'il y a la cour, etc. Donc, voilà, je préfère louer une famille car ça va sur un revenu plus stable. Juste en haut, ce que je prévois de faire d'ici, on va dire, 6 à 9 mois, ça serait de négocier avec celle qui habite au-dessus pour récupérer l'appartement. Par la suite, faire une colocation. Donc, voilà, pour des étudiants ou pour des nouveaux arrivants. Donc, voilà, je louerai une chambre. Je louerai chacune des chambres, tout compris, voilà, meublé avec internet, chauffage, eau, électricité. Donc, il y a également des travaux à faire. Donc, les travaux, c'est de changer la toiture et de refaire l'appartement qui est juste au-dessus de moi. Donc, tout ça, en fait, ça va me permettre d'augmenter la valeur d'une part, les revenus de l'immeuble et deuxièmement, d'augmenter la valeur de l'immeuble de manière générale afin de pouvoir le revendre avec vraiment que ce soit vraiment clé en main avec une grosse rentabilité et également une grosse valeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un peu la tête de l'immeuble. Donc là, voilà, tu as le garage et là tu as le 3,5. Voilà. Donc voilà, donc nouvel investissement ici à Montréal. J'en ai actuellement un autre en cours en région parisienne. Donc voilà, j'espère vraiment louer celui-là très rapidement. Entamer les travaux normalement démarrent d'ici 2 semaines maximum. Donc j'ai une équipe qui va venir changer toute la toiture. Je pourrais te mettre quelques photos. Et donc voilà, donc si tu as d'autres questions par rapport au logement, par rapport à cet immeuble,
par rapport au projet que j'ai à faire. Je t'invite à laisser un commentaire et j'y répondrai. Je vais faire une troisième vidéo où je vais te parler justement du montage en fait et au niveau du financement, comment j'ai pu me faire financer cet immeuble-là alors que j'avais zéro apport. Donc j'ai utilisé pas mal de stratégies de financement créatif que je présente dans ma formation Global Empire Immobilier. Tu trouveras le lien juste en dessous. Donc voilà, c'est les techniques que j'apprends à mes membres pour sur comment en fait ils peuvent gonfler leur apport alors qu'ils n'ont pas forcément d'argent. Donc moi, ça a été mon cas. Et c'est également mon cas pour l'investissement que je suis en train de faire en France en ce moment. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la liker. Ça permet de faire connaître la chaîne. Je t'invite également à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier tant en France qu'au Canada. Et surtout, n'oublie pas de télécharger une heure de formation gratuite où je t'explique comment j'ai fait un profit à l'achat de 100 000 euros lorsque j'habitais en France. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Thank you.